cas, une nouvelle vidéo pâtisserie. Ouais, qui est surpris. Ça y est, je me suis lancée, on ne m'arrête plus. Aujourd'hui, ça va être une tarte sneakers. C'est jamais des trucs très légers que je fais. Mon père m'en remercie. D'ailleurs, à chaque fois, il me dit, mais tu peux pas faire des trucs un peu plus light? Je dis, mais c'est bon, la pâtisserie, c'est pour se faire un peu plaisir. Ça fait un moment que j'y pense. Quand j'étais au travail, j'en parlais tout le temps. Ouais, ce serait bien de faire une tarte sneakers. Du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, fais-le chez toi. On verra bien si c'est bon. Donc là, on est vraiment sur un test. On verra bien. Mais bon, après, je crois quand même un petit peu en ce que je vais faire et je me dis, ça peut pas être dégueu vu ce que je vais mettre dedans. On y va, let's go, suivez-moi. Et voilà, cette vidéo est terminée les gars, j'espère qu'elle vous a plu, mes vidéos pâtisserie sont jamais très longues, la magie du montage hein, parce que je vous assure que moi ça m'a mis du temps avec tous les temps de refroidissement etc. Et encore, j'ai même pas fait le caramel, c'est vrai que j'ai eu la flemme de faire le caramel, c'est pas cool, pourtant j'aime trop faire les caramels, c'est hyper facile à faire, mais vu que j'ai mes chaussures là juste à côté, j'ai le détecteur de fumée juste à côté, je me suis dit vas-y je sais que le caramel ça fait de la fumée, j'ai pas envie de tenter le diable et de commencer à alerter tout le monde dans l'immeuble. J'ai pris la facilité mais vous si vous avez la possibilité de le faire, je vous encourage fortement à le faire vous-même. Et envoyez-moi des photos en DM sur Instagram pour me montrer vos réalisations si vous avez essayé de le faire. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, je vous invite à vous abonner à ma page, à activer la petite notification, vous connaissez. Vraiment faites-le parce que je vois dans mes analytiques, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, c'est cool, mais pas beaucoup qui sont abonnés, donc vraiment ça me ferait plaisir et ça coûte pas grand chose de mettre juste un petit abonné. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les gars, bye. Sucré quoi, c'est t'en as plein la bouche. Mais t'as pas senti le salé? Si, avec les petites noisettes, avec les cacahuètes, c'est sous une noisette. Et j'ai pris un caramel beurre salé. Je voulais rajouter du sel de Guérande, j'aurais peut-être dû rajouter du sel de Guérande alors. J'ai bien senti le goût salé par les cacahuètes. Donc c'était bon quand même, mais à voir avec le chocolat froid. Oui.